aller à l'hôpital et se faire contaminer, un risque de plus en plus grand ces dernières années. C'est la conclusion d'une étude menée par Santé publique France. Dans le détail, sur la période 2017 à 2022, un patient hospitalisé sur 18 est touché par une infection nosocomiale, soit 4200 infections par an. Il s'agit d'une augmentation de plus de 14% par rapport à la période 2012-2017. En cause, le Covid. La proportion de patients infectés est supérieure à celle d'il y a 5 ans. Mais les infections Covid nosocomiales représentent la moitié de l'augmentation. Les experts s'attendaient néanmoins à une hausse bien plus importante avec le coronavirus. C'est dans les services de réanimation que les infections nosocomiales sont les plus importantes, avec un patient affecté sur 4. En 2017, la France se situait dans la moyenne par rapport à ses voisins européens. Mais c'est l'année prochaine, lorsque tous les pays auront rendu leurs conclusions sur cette étude, qu'un nouveau classement pourra être établi.